Voilà, je suis de retour sur la chaîne Escalade et aujourd'hui, je vais faire une randonnée, mais pas comme les autres. Je suis à la Sainte-Victoire en ce moment même, et aujourd'hui, je vais faire ce qu'on appelle le pas de la Savonnette en tracé jaune, et je vais faire le tracé noir de la Garrigue. Voilà, donc c'est deux chemins plutôt en mode alpinisme. Voilà, donc je pense que je vais plutôt bien m'amuser. Voilà, je vous laisserai une petite vidéo, bien sûr, comme toujours, du pas de la Savonnette et de la Garrigue. Voilà. Allez, bon visionnage et je vous dis à ce soir. Donc voilà, après pratiquement 5 minutes que j'ai fait ma pause en bas, nous sommes tombés sur cela. Je me casse sur le haut, il y avait ça. Voilà, petite vue. Voilà. Là, ici, alors vous allez m'expliquer ce qu'il y a là-dedans, parce que moi je suis pas rentré, je n'ai pas regardé, je ne sais pas ce que ça va faire. Mais là-dedans, il y a une petite crotte. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Voilà. Voilà, c'était juste pour vous montrer. C'était un genre de petit refuge en bas de la Sainte. Voilà. Et là, ben, on a le Cox. Bon, allez, on va aller jusqu'au pas de la Savonnette, puis après je reprendrai la vidéo. A tout de suite. Bon, on y est. Bon, j'ai commencé déjà un peu à la montée. Ça fait 20 bonnes minutes que je monte déjà. On est arrivé déjà sur la première partie de la paroi de falaise et je commence déjà à avoir des chutes de pierre. Ça commence à être marrant. Donc j'ai pris un casque pour ça. Voilà. Allez. C'est parti. Allez, let's go! C'est parti, les amis! Nous allons y arriver! Allez! Eh bien, je vous dis, ça va sentir le sport! Allez, c'est parti! Bon là, il faut pas croire, mais en dessous, il y a une crête. Si là, il y a quelqu'un qui s'amuse à sauter, il meurt. Donc vous amusez pas, les gens. Ici, il n'y a jamais aucune voie qui a été ouverte. Du moins, j'ai vu aucune dégaine, un truc à dégaine ou quoi. Je pense que s'ils n'ont pas ouvert ici, c'est qu'il y a une grande spécificité. C'est que vous voyez là-bas, bah, il y a des parois qui commencent à se dégager. Et voilà ce que ça donne après. Voilà. Je pense que c'est pour ça que c'est devenu un chemin de randonnée alpi. Bon, du moins, depuis tout à l'heure, je monte. Et c'est pour l'instant très sportif quand même. Alors je me dis, qu'est-ce que ça va être l'ascension du tracé noir cet après-midi? Je vous dis, je vais m'amuser, putain. Voilà. Bon. Je pense. Ah voilà. On est bientôt arrivé au moment fatidique de cette paroi. Donc, de là jusque là, on n'a eu aucun problème pour monter tout ça.
espérons que ça commence pas. Voilà, nous on va là-bas. Allez, c'est parti mon gars. C'est là où il y a les choses qui vont commencer à se corser un peu. D'après ce que j'ai vu. Alors vous qui cherchez l'extrême, je vais vous donner l'extrême. Et je vous dis, vous allez vous marier. Putain, la côte cassée. Faut faire attention, ça glisse énormément ce bordel, putain. Et voilà. Je vous jure, à côté de moi, il n'y a personne. Donc, je m'amuse, c'est normal, vous allez me dire. Je suis un frappé. Tu t'amuses avec le feu, jeune padawan. Bah ouais. Je m'amuse avec le feu, j'aime ça. Et comme on dit, un jour je suis négapé, toujours pas brûlé. Eh ben si je me brûle, je recommencerai. Voilà. On a une putain de vue quand même, si vous regardez bien. Elle est excellente. Voilà. Paraparap. Alors. Voilà. On arrive sur des parois où jusque-là, toutes les parois que j'ai vues à la Sainte-Victoire avaient ce qu'on appelle des splits. Et alors là, c'est la première fois que je vois ça. C'est le désert. C'est le désert. Ce coin-là, ici, c'est complètement le désert. Allez. Bon, écoute, Kit Casco, si tu regardes cette vidéo, bah voilà l'arrière-goût de ce que tu vas voir. Si tu viens avec moi ce week-end, on va bien se marrer. Par contre, ce sera... Donc, voilà. Nous arrivons à ce fameux moment où ça va commencer à devenir à être marrant. Voilà. Parce que voilà, la suite, elle est ici.
Voilà. Donc, souhaite bienvenue à ce premier pas de la Sabaneta. Voilà. Ah putain, je suis éclaté. Voilà. Je vous présente ce premier pas de la Sabaneta. Donc c'est simple. Voilà. C'est une petite surface à monter, comme vous voyez bien. Donc on va se farcir cela. Bon. Alors, il y a juste ce coin-là, si vous regardez bien dans la vidéo, il y a juste ce coin-là là, qui est peut-être un peu lisse. Ça va être un peu short. Voilà. Mais on va le monter. Allez. Du moins, on arrive au moment où ça risque de devenir assez marrant. Donc voilà. Allez. Et quand on veut, on est parti. Allez. Le fameux pas de la Sabaneta. Allez, c'est parti. Allez, messieurs, dames. Et voilà, le premier pas de la Sabaneta, c'est dans la poche. Ouh, c'était assez sportif quand même. Hein, on est à, regardez sur ma montre, on est plus exactement à 539 mm d'altitude. Et on continue à grimper. Oh.
après avoir monté cette partie. On va commencer à monter l'autre. Après, c'est de là que ça commence à avoir un peu de difficulté quand même. Parce que faut pas que tu te rates, hein. Voilà quoi. Faut vraiment pas que tu te rates. Dans les aspects, dans tous les trucs, hein, parce que alors là, je te dis pas mon gars. Allez. On continue. On est reparti. Ouf. Allez. C'est pas vers là, donc il faudra que non, il faudrait que je remonte un peu plus haut vers là. Alors, parce que là ils me disent que c'est pas vers là, donc il faut peut-être que je remonte un peu plus haut. Ouf. Mais bon. Voilà au final ce qui nous attend. On a déjà monté 551. Je peux vous dire que la machine, c'est un phénomène. Ah oui. Donc, je pense moi qu'il faudrait peut-être plutôt remonter parce que j'ai coupé complètement dans l'allée. Ça veut dire que peut-être... Ah ben non, le chemin, il est là-bas en face. Allez, on va le rejoindre parce que là, on a coupé quand même une grosse partie de la rando. Voilà. On a coupé une énorme partie grâce à ce petit mouvement. Et comme vous pouvez bien voir, bientôt le soleil va atterrir. Là il est. Et là, il va arriver jusqu'à nous. Donc on va commencer à transpirer comme des vaches. Et il est 9h11. Et il nous reste encore ça. Alors là, je te dis pas mon gars, mais je vais en chier. Allez. Alors. Voilà, une fois arrivé ici, eh ben, faut suivre. C'est le pas de la savonnette, quoi. Après, à savoir si vous me parlez nous faire. Complètement aller de l'autre côté. Parce que là. Ici. Ouh. Allez, let's go. C'est tout à fait chiant. Faut aller en face. Bon, là, il faut pas oublier qu'en bas, là, si je tombe, il y a un précipice. Et si je réussis à aller jusqu'au bout, il y a une deuxième précipice, quoi. C'est pas l'heure de mourir, quoi.
Voilà, c'est tout à fait ça. Donc, on va aller. C'est bien ce que je pensais. De l'autre côté. Donc, il doit avoir sûrement un chemin. Qui nous amène jusque là. Parce qu'après, la Croix de Provence est juste derrière. Voilà. Parce qu'il y a un moment où on va devoir malheureusement monter une arête de montagne. Et alors là, je vous le dis. Ok, c'est la première fois qu'il fait un truc comme ça. Genre style un peu comme la Via. Et vous dire, c'est la première fois que je vais vous dire si je me chie dessus. On est à l'ombre et je peux vous assurer que on est à l'ombre mais plus pour très longtemps. Le soleil commence à se lever et là ça va être carnage. Voilà, ça va être absolument dinguissime. Ça va être un truc de fou. Donc allez. On va peut-être monter. Ah non, c'est par là. Voilà. Allez. On va bien scruter les environs parce que ils sont cachés de temps en temps les nuages. Donc voilà. Et puis après, il faut qu'on aille, ça veut dire, sur la descente, il faut qu'on retourne et qu'on refasse le tour pour faire le pas de la garrigue. Là, je vais juste monter le pas. Je vais faire juste monter, mais je ne vais pas monter jusqu'à la croix. Voilà. Parce que l'autre est encore plus intéressante. On va passer dans une grotte. Voilà. Il y a quelqu'un, non? Bon, allez. Alors, à ce moment-là, on a un morceau de paroi.